Bonjour à tous c'est Robin, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cet effet de texte dans Photoshop donc, Comme vous pouvez le voir c'est un superbe effet de texte, donc pour cela j'ai utilisé une peau de girafe en texture Donc ce tutoriel est vraiment très simple à réaliser, c'est plutôt un tuto destiné aux débutants Mais ceux qui ont un niveau plus avancé dans Photoshop peuvent bien évidemment suivre ce tutoriel Donc on va commencer tout de suite, mais avant de commencer bien évidemment je vais vous présenter ce qu'il y aura dans le petit fichier qui se trouvera dans la description Donc il y aura euh, deux textures de léopard, de peau de léopard, voilà et euh, la police que j'ai utilisée durant ce tutoriel, donc qui est Moussou Record G. Voilà, donc vous pourrez l'installer. Donc on va commencer tout de suite. On ouvre Photoshop. donc Voici une petite preview que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Bon. Avec euh, la peau de léopard qui rend plutôt bien, je trouve. Donc on va faire CTRL-N ctrl -n pour, euh, ctrl pour créer un nouveau document. Ce document, je vais le renommer tutoriel. Je vais mettre une largeur de 1980, 1280 par 720 avec contenu d'arrière-plan blanc. On clique sur OK. On va déjà commencer par déverrouiller euh, l'arrière-plan. Donc on double clique avec la touche Alt enfoncée et on renomme le calque Background. Donc ensuite à ce calque, enfin je vais déjà créer le Background hein, comme je pense, je pense que vous l'avez compris. Donc pour cela je vais ajouter un dégradé radial. Donc j'ouvre les styles de calque. Je vais dans incrustation en dégradé. Je vais choisir un style radial. Je vais un petit peu augmenter l'échelle, par exemple comme ceci. Et je vais choisir un dégradé que j'avais déjà enregistré. Donc de préférence, je vous conseille euh, un dégradé plutôt clair, mais vraiment très très clair, avec des couleurs euh, un peu grises, euh, bleues. Enfin, c'est vous qui voyez, franchement, c'est vous qui voyez. Donc voilà, peut-être un dégradé comme ceci. C'est plutôt bien. Peut-être un petit peu augmenter l'échelle. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, quelque chose comme ça. C'est plutôt bien. Donc ensuite on va déjà commencer par la création de notre texte. Donc je prends l'outil texte horizontal, raccourci donc clavier, et là je vais tout simplement euh, taper mon texte. Donc je vais mettre tuto, voilà. Je vais peut-être changer la couleur même si la couleur n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour que vous voyez un peu mieux le texte. Donc on va un peu mieux centrer le texte grâce à l'outil euh, de déplacement, raccourci V du clavier évidemment. Donc, une fois que c'est fait, une fois que notre texte est écrit, nous allons importer la texture de notre choix. Donc, je rouvre le petit dossier, je vais choisir cette texture de léopard, voilà comme ceci. Je l'importe dans Photoshop, cliquez glisser. Je vais valider ici et je vais faire clic droit, pixeliser le calque. Et là ici, je vais renommer le calque texture léopard comme ceci. Et je vais faire contrôle clic sur le petit icône texte ici de mon, de mon calque texte. Et sur le toujours sur le calque texture là au part, je vais cliquer sur euh, le petit icône ici qui permet de créer un masque de fusion. Donc voilà, donc notre texte est. Euh, notre texture pardon, est, est intégrée dans notre texte. Donc évidemment c'est très très moche, on va absolument pas laisser ça comme ça. Donc pour cela, on va déjà se rendre sur notre calque texte. Donc moi c'est mon calque texte tuto. On va faire clic droit sur notre calque texte et créer un tracé de travail. Donc si on va dans tracé ici, on peut apercevoir notre tracé de travail. Donc, je vais, re, je vais me replacer sur mon masque de fusion euh, de, mon calque tec, de, mon, de mon calque texture léopard. Et je vais prendre l'outil pinceau, raccourci de mon clavier. Je vais faire clic droit. Je vais cliquer sur ce petit icône ici. Et je vais sélectionner forme d'épée. Je vais cliquer sur ajouter. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire encore une fois. Donc, une fois que c'est fait, vous devrez euh, voir cette petite texture apparaître, la texture numéro 461. Donc, vous double-cliquez dessus. Donc, euh, la, la taille de cette. Euh, euh, enfin, c'est pas une. Pardon, c'est pas la texture, c'est une broche. Je me suis un peu embrouillé, excusez-moi. Donc, la taille de, de cette broche n'est pas vraiment importante dans ce tutoriel. Donc, euh, on va laisser ça comme ça. Donc, on, ensuite, on va appuyer sur la touche F5 du clavier. On va aller dans Forme de la pointe. Ici, la taille, je vous conseille de la mettre à 79 pixels. L'angle, on va laisser à 0 degré. L'arrondi, 100%. Et le pas, je vous conseille grandement, 25%. Après, vous pouvez toujours modifier à votre guise. Une fois que c'est fait, on va aller dans dynamique de la forme. Ici, on met 100%. Là, 0%. Ici, 100%. Ici, 100%. Et là, c'est vous qui voyez. Donc, je vous conseille aux alentours de 40%. Moi, j'ai mis 35%. Vous pouvez un petit peu augmenter. Voilà. 38%, c'est bien. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les réglages. Vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo. Voilà. Donc, ensuite, une fois que c'est fait... On va faire, on va, grâce à notre outil plume, raccourci P du clavier, on va faire clic droit et on va faire contour du tracé. On sélectionne bien ici forme et on vérifie bien que simuler la pression est décoché. On clique sur OK et là on peut apercevoir notre, nos, notre effet de poil euh, qui est apparu autour de notre texte. Donc on voit que c'est déjà un bon début mais les poils ne sont pas assez nombreux. Donc on va répéter cette opération, que, enfin on va répéter ce qu'on vient de faire ici. Donc pour cela on va prendre l'outil pinceau et on va tout simplement appuyer sur la touche entrée jusqu'à temps que on ait assez de poils par, par exemple là c'est déjà bien je vais encore en mettre un petit peu voilà comme ceci j'en ai, ai peut-être mis un peu trop donc pour masquer notre euh, tracé de travail on fait ctrl H voilà moi bon, j'en ai mis beaucoup trop des poils mais tant pis hein, c'est un tutoriel on va pas s'attarder dessus donc voilà donc ensuite, on va déjà commencer par ajouter un petit flou gaussien à tout ça. Donc on va aller dans filtre, atténuation et flou gaussien. Et je vous conseille de mettre le flou à vraiment euh, quelque chose de très léger, par exemple 0,3. Ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est très léger, hein, ça se voit pas beaucoup, mais ça affine un peu mieux notre travail. Donc ensuite, on va se rendre dans les styles de calque. Et nous allons appliquer euh, un effet d'ombre interne. Donc, ici, on va changer le mode de fusion en euh, densité linéaire. plus. L'opacité, je vous conseille de la mettre vers 40% environ. Je vais mettre 42% moi. Ça rend plutôt pas mal. La distance, nous allons la mettre à 0. Et la taille, je vous conseille environ 25%. Comme ceci. On va ensuite décocher utiliser l'éclairage global. Et on va mettre l'angle à 90 degrés. Et Ensuite, on peut valider. Donc voilà, bah, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon site, euh, enfin le site de mon partenaire qui est nextpc.fr. Vous trouverez tous mes tutoriels Photoshop ainsi que des tutos sur After Effects, vraiment très très bien expliqué sur les effets spéciaux évidemment. Donc je vous conseille d'ajuster un petit coup d'œil et euh, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Lâchez un pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Salut. Okay,